Salut à toutes et à tous, ici Wolfid et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur Diablo Resurrected. Alors le jeu est sorti le 23 septembre 2021 et sur cette série de vidéos vous trouverez en fait une petite série en fait sur les 5 actes avec la trame principale. Je voulais pas vous mettre tout ce que je fais et tout ce que j'explore parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux et ennuyeux à regarder, je trouve personnellement. Du coup le but est juste de vous mettre l'histoire principale. Et il y a des chances aussi qu'il y ait aussi des moments où je joue peut-être avec des potes. Et du coup, si c'est intéressant et si c'est sympa, je le mettrai aussi. Je sais qu'après, il y a aussi des modes tournois, il y a aussi des modes où on est plusieurs. Si c'est possible que je le fasse, je le ferai. On verra comment c'est le jeu. Du coup, voilà. J'espère que ça vous plaira. Et vous connaissez la chanson, hein, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Et j'espère que ça vous plaira. A très bientôt. Ciao! Alors, Marius, je te trouve en forme. Tyrael, mais oui, c'est vrai. Je vous reconnais, vous. Vous ne pouvez montrer votre visage. C'est eux, ils nous surveillent. Je te cherche depuis bien longtemps, Marius. Je commençais à croire que tu ne voulais pas que je te trouve. Oh, pardon, Tyrael, pardon. Ce n'était pas ma faute. Pas ta faute. Vraiment, Marius. Et de qui serait-ce donc la faute? C'était le rôdeur. Oui, c'était... C'est lui, le rôdeur. Mon séjour à la citadelle des Rogues semble si loin. Déjà, je cherchais à fuir mes souvenirs en compagnie d'autres exclus dans la montagne, au-delà de la porte de l'Orient. Que désirez-vous? Je m'efforçais de ne pas dormir, car mes rêves me plongeaient dans le souvenir. Je me rappelais le monastère et le mal qu'il avait emporté. Mais, ouvrez mes sens, mon esprit était brouillé, confus. Poursuivi jusqu'ici. Comment m'avait-il trouvé? C'était donc lui, cet homme brisé, à peine capable de supporter le fardeau de sa propre épée, qui m'avait effrayé au point de me retrancher ici. Mmh.
Il semblait lutter. Lutter pour contenir les démons qui le possédaient. Persuadé que la folie avait emporté. De terreur, de destruction. Mal en personne. Comment l'expliquer? Ces démons s'étaient-ils échappés de mes sens? La carcasse du rodeur. Suivi. Pourquoi? Je l'ignore. Réalité et cauchemar, parfois, se confondent. Mais je sais que je ne pus résister à son appel. Je devais le suivre. Et nous partîmes ensemble vers l'Orient. Toujours vers l'Orient. Salut, étranger. Je ne suis pas surpris de vous voir. Nombre d'aventuriers se sont risqués par ici depuis que les malheurs se sont abattus sur la région. Vous avez entendu parler de la tragédie de Tristram? On raconte que Diablo, le seigneur de la terreur, circule à nouveau librement dans le monde. Je ne sais qu'en penser, mais il est vrai qu'un sinistre rôdeur a emprunté cette route il y a quelques semaines. Il se dirigeait vers le passage gardé par le monastère Rogue dans la montagne. Ce n'était peut-être rien, mais c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Peu après son arrivée, les portes du monastère donnant accès au passage ont été fermées, et les créatures mystérieuses ont décimé la région. Je ne bougerai pas d'ici tant que les portes seront fermées et que nous ne serons pas en sécurité en dehors du camp. J'espère reprendre la route de Ludgolène avant que l'ombre qui s'est abattue sur Tristram nous détruise tous. Si vous êtes encore en vie, je vous y emmènerai. Vous devriez parler avec Akara. Elle en saura peut-être plus. La fougueuse Kashia commande les archers Rogues. Pas ici. Mon nom est Akara. Je suis la grande prêtresse de la sororité de l'œil aveugle. Voyageurs, soyez le bienvenu dans notre camp. Je n'ai malheureusement rien à vous offrir sinon le couvert en ces murs d'Ekati. Notre sororité est victime d'un sort étrange. La puissante citadelle dont nous gardions les portes depuis la nuit des temps est tombée aux mains d'Andariel, une démone maléfique. Elle a réussi par je ne sais quel biais à corrompre nos sœurs, les Rogues, et à nous chasser de notre retraite ancestrale. Je vous implore, étrangers, aidez-nous. Trouvez un moyen de lever ce terrible sort et nous vous serons pour toujours redevables. Au beau milieu de la...
Presque toutes nos unités d'éclaireurs, rogues, ont péri en cet horrible endroit. Mon nom... Kane est le dernier disciple de l'ancien ordre Oradrin. Qu'il en soit ainsi. Ah!
Vous avez rayé cette grotte infernale de la carte. Vous avez ma confiance. Et vous m'avez redonné foi en l'humanité. En guise de récompense, nous vous permettons d'améliorer le sort de votre choix.